She's alive! Alive! Problème, la majorité de ces formations sont privées et ont par conséquent des frais de scolarité très élevés, comptés au moins 5000 euros par an. Seule exception, Egemine, la seule école publique française dont les coûts d'inscription sont équivalents à ceux d'une université. Mais dont le concours est aussi très élitiste, avec seulement une dizaine d'étudiants acceptés chaque année dans chaque filière. Du coup, mieux vaut bien réfléchir et pourquoi pas discuter comme on l'a fait avec d'anciens élèves comme Yves Jean-Baptiste, un ex-étudiant de Superinfo Game à Valenciennes qui travaille désormais chez Gameloft lorsque... Autre chose à foutre que de marcher du chewing gum. Style et nous le sens. J'ai de l'absence de fond, se fait oublier par l'accent. C'est vexant. Seulement chez nous les mecs sans texte sensé sont excentriques sans ça. Ils cessent, j'en sais quelque chose. Ici c'est pas les USA. Maintenant je t'ai eu et 7, stop et ça. Et 7, stop et ça. Mais laisse couler si t'apprécies. Voilà un extrait peu précis de ce que j'ai écrit au réveil du rêve américain. If my morals may quarrel, take the beat and you can ride.